Dans la joie, à tabatou bazou sans assembla, soit de bazou négligé, mais nous à Riwara, nous sommes dans la joie. Parce que nous avons bénéficié de la bonne parole. Certainement, ma camponazo et bisoïsa solo, nous avons bénéficié de la bonne parole. Bazou zango kajo yo, mawamingi, to sunga bango, bayaka, kolo apambo la biso. Yo kita na ngomba na Sinai pe yo loba na bisika bilekili kolo tika ete kolo o kita o utilize puissamment instrument na yo ota la biso lokola Israel ota la biso lokola Siona oyo loba kete pona bolingo na Siona yo mufanda kimia te Pona bolingo na Jérusalem au kokanga pe monoko te. Kino lobiko na ngo e monana lokola e pelelo na moto pe kokango na manango lokola moyi na tongo. Osolo la lelo pona kokango la maya moko na moko pe lobiko ya moko na moko. Nyoso e komi makati na ye ezala ete kasi e kokisama oyo komami ete etindikami na molimo santo nde bato basololi na tina na Yahweh. Fungola mitema na biso bongisa ngo ezala lokola mabele kitoko po ete lilobo eza kokwea eza mbala moko kona pe eza mbula ekuta biso mabele kitoko na tina ete ekoka na kobota mokaba na mokaba ozwa lokumu po oyo oyoki mpe okosala nyonso ya satana oyo ememaka makanisi na biso libanda kozangisa biso Yahweh kolanda enchaînement ya film d'idée ya lidea yaka na zololo kibiba kobosa na kingo ebende mitema ekenze ezanga makoki na kombo na Yesu Kristo totatoni elonga na yo po ete yo nde molongi yo nde rabi motei malamu sala mosala na kombo na yo kolo mokonzi mpe mobikisi na biso ezongi tolobi amen. Merci. Je te remercie, mon Sapoli, et le mon amour, mon Golikota, à côté à Bisson. Que Jésus-Christ te fasse du bien ce soir. L'autre aux années les 10 et 12 novembre 2021. Aujourd'hui nous sommes le 12 novembre 2021. Et c'est vendredi par la grâce de Dieu. C'est le vendredi par la grâce de Dieu.
enseignement na biso sur cette sorte au banotera ngaka ba jour ouvrable. Et nous commencerons à enseigner notre enseignement sur les sept jours seulement aux jours ouvrables. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mardi, mercredi, jeudi et le vendredi. Les dimanches, vous ne recevrez qu'une autre grâce. Les dimanches, vous recevrez une autre grâce. Et allez, le lingue oyokolo a sépéré qu'au disposé bisopan musalanae. C'est la manière dont il a plu au Seigneur de nous disposer pour son œuvre. Et il faut que tu aies plus d'attention à l'enseignement que nous dispensons. Que ta vie soit plus attachée à la parole. L'enseignement vient pour te faire croître. Pour les incrédules, l'enseignement c'est un jugement, une condamnation, Mais pour toi, l'enseignement fera que tu sois enlevé. Amen. Les eaux de l'arche, c'était pour couvrir tout et même les hautes montagnes, mais c'était pour élever l'arche de Noé. Donc, au fur et à mesure, au fur et à mesure que les eaux grossissaient, l'arche montait encore de plus en plus. Jusqu'à ce qu'elle se retrouve au sommet de la montagne d'Ararat. La parole aux ésopésamas pour les autres, c'est une condamnation. La parole qui est enseignée pour les autres, c'est une condamnation. Mais pour nous, l'Église qui croit la parole. Mais pour toi qui es l'Église qui croit la parole de Dieu. Ça a une justification. Et Zali coupé tout la main. C'est pourquoi Zouangona Mokebi Makas. C'est pourquoi il faut la recevoir avec plus d'attention. Parce que les banda ya l'ilakisi. Enlèvement exact. Parce qu'en dehors de l'enseignement, il n'y a pas non plus d'enlèvement. Nous allons lire notre texte, le cinquième psaume. Verset 9 et 10 d'Apocalypse 6. Le verset 9 et 10 d'Apocalypse 6. Nous écoutons le cinquième psaume maintenant. Nous entrons au cinquième psaume aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. Namolu Yanzambe. Quand il ouvrit le cinquième psaume. Tango afungola kindanga ya mitano. Et je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Namonaki. Nasena et Tumbelo, Milimo Yabai. L'ange qui les avait rendus. Et Bonatina Nalita Toli, Oyobango Batatola. Ils crièrent d'une voix forte. Gagakina Mongongo Makas, Nakolubaka. Jusqu'ezan. Robe a Pembe Pesamela qui moko na moko na bango. Et il leur fit dit de se tenir en repos. Quelques temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Que Dieu bénisse les lectures. Vraiment, la combo na Yesu Christo. Vraiment, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus. Et le Seigneur nous a assisté, biso vraiment ma case. C'est vraiment le Seigneur qui nous assiste. Nous avons mérité de l'autre côté. Nous ne méritons en rien. Ce qui te tire mes amawa en Zambé. Si nous nous levons, c'est la miséricorde de Dieu. Zambé n'a pas sa biso ma case. C'est le Seigneur qui nous donne sa force. Le
ce qui peut offendre wana ezande mawa ya Nzambe. Et si tu es là assis, c'est toujours la miséricorde de Dieu. L'écriture elobi, l'écriture dit ceci, et pesameli na motote na ye moko kokamba matambe na ye. Il n'est pas donné à un fils de l'homme de conduire lui-même ses pas. Ce qui matambe na yo yeti awa, si tes pas se retrouvent en ces lieux, ezangolo na Nzambe, c'est la grâce de Dieu. Nzambe nazala kana makoki ya kuzongisa leo likanisike tango eza ya enseignement. C'est le Seigneur qui a le pouvoir de te faire revenir le souvenir que ce temps c'est le temps de l'enseignement. Donc ce qui peut émater la kio ki olanda. Et si cette pensée t'était montée au cœur, oza en ligne si ko zolanda kai, et que tu es en ligne, tu me suis. Ezali grâce de Dieu. C'est toujours la grâce du Seigneur. C'est toujours le coup, mais pas dans Zambé. Et il faut que nous sachions lui rendre la gloire. Lui qui fait tout afin que son peuple devienne parfait. Donc autant la petit à petit par la grâce de Dieu, sur le setso. Nous allons marcher petit à petit dans notre sujet sur les setso. Donc banda awawa na cinquième so. Aujourd'hui, nous allons commencer par le cinquième saut. Mais, tout comme le d'abord, première des choses sur les chants. Mais premièrement, nous allons parler sur le chant. Donc, Nicolo na babilanga. Donc, le chant. Et pour nous aider à comprendre. Pour nous aider à comprendre. Comment le Seigneur a classé ces choses dans les Écritures. Yango toujours tanga d'abord. C'est pourquoi nous lisons d'abord l'Écomi ya Jean chapitre 4. L'écriture de Jean chapitre 4. Toujours zongo na kombo na Jésus Christ. Nous la prenons au nom de Jésus Christ. Dans Jean 4. Dans Jean chapitre 4. Jésus Christ a été fatigué du voyage. Jésus Christ a lemba ki na mobembo a salaki. Et il avait envoyé ses disciples d'aller acheter les vivres ou la nourriture. Mais à leur retour, il faut savoir que cet événement s'était passé à la sixième heure. Là, on a vu verset 4 à 6. Là, en prenant le verset 4 jusqu'à 6. Le verset 6, il y a Jean 4. Le verset 6 de Jean chapitre 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jean 4, verset 6. Là s'est trouvé le puits de Jacob. Jésus fatigué du voyage. Était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Sixième heure était à 12 heures dans notre montre. La sixième heure, c'est 12 heures dans notre montre comme ça. Ce qu'on dit dans la Bible, 12e heure, et n'y est qu'au bas, et pas une abisso, et ça 18 heures. Nous allons en avant. Amen. Ah, donc, montre un abisso balousa moka pour comprendre. Donc, il faut tourner notre montre pour comprendre. Amen. Par rapport à la Bible. Par rapport aux Saintes Écritures. Ce qui parle de troisième heure. Si tu entends parler de la troisième heure. Et nous, le 9 heures dans la montre. Cela veut dire c'est 9 heures dans ta montre. Alors, on est là qui sixième heure. Alors, là, c'était à la sixième heure. Et les Koloba, 12 heures. Cela veut dire 12 heures de notre montre. Alors 12 heures n'est le béni moussous dans la Bible et bien chaleur du jour. Ce qu'on qui place par le béni chaleur du jour. Et si tu entends ou tu lis quelque part dans la Bible où l'on parle de la chaleur du jour, il n'y a pas la sixième heure. Cela veut dire la sixième heure. Ou bien millier du jour. Ou bien le millier du jour, midi. Il y a beaucoup qui t'ont dit, Proverbe 4, verset 18. C'est pourquoi en prenant Proverbe 4, le verset 18, tous autant à un bon Jésus-Christ, nous lisons cette écriture au nom de Jésus-Christ. Proverbe 4, verset 18. Proverbe 4, le verset 18. Le
sentier des justes est comme une lumière resplendissante. Zela yabayenge bene ezali lokola polo ezali kongenga makasi. Dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Polo o wapi kongenga nango ezali kokende komata kino katikati ya mokolo. Donc balobi Zela yabayenge bene. Donc, on nous parle des sentiers de justes. Bayege Beneza, Abraham, Isaac, Jacob. Donc, les justes sont Abraham, Isaac, Jacob. Nzela na bango eza, parole Nzambe atiaki en Abraham. Et leur sentier, c'était la parole que le Seigneur avait mise en Abraham. Balobi, ezali lokola pole. On a dit que ce sentier-là est comparable à la lumière resplendissante. Et kokengeti. Qui ira jusqu'à sa perfection. Et cela est comparable au milieu du jour. Donc le milieu du jour est le terminus de la lumière d'abord. Le milieu du jour c'est comme le terminus ou bien là où la course prend fin. Le Seigneur l'a qui Abraham. Vous voyez comme le Seigneur avait adopté ou pris Abraham. Il marchait avec lui. Mais ce qu'on suit, Genèse 18. Mais si vous prenez Genèse 18, jour yaka kotalae, le jour où il était venu le visiter, pour apaiser un message à fils, pour lui donner le message du fils, Ezalaki pendant la chaleur du jour. Ezalaki na ngele na 12 heures. Donc, la sixième heure. Donc, c'était à la sixième heure. Maintenant, il est temps de découvrir, n'est pas Abraham, mes amis. Maintenant, qu'est-ce que nous découvrons chez Abraham? C'était lorsque le temps où le Seigneur vient manger. Alobi, Seigneur. Il dit, Seigneur, quand vous apporte de l'eau pour laver le pied, et demeurez dans la maison de ton serviteur, quelque chose pour liapo oyé ponaya. Et qu'on vous apprête la nourriture, et parce que c'est pour cela que vous êtes passé par ici. Donc la chaleur du jour, donc ngele, na milieu du jour, kati kati ya mokolo, il y a la nourriture de l'Éternel. Et ça la kanabile ya mokolo Yahweh. Jésus aussi jour wana na Jean 4. Et Jésus aussi ce jour-là dans Jean 4. Ezalaki na lero yobile ya Nzambe ezalaka mpona kolia. C'était le temps où il y a la nourriture de Dieu pour manger. Sixième. Na tango ya motoba. Jésus fatigué du voyage. Yesu alemba ki na mobembo a sala. Esengela ki ero na bakendo lukili bilo. Il fallait qu'en ce temps-là qu'on ait lui chercher de vivre ou la nourriture. Lorsqu'ils sont allés chercher la nourriture, en revenant, Jésus avait déjà mangé. Parce que c'était la sixième heure. Lui il a dit, j'ai déjà mangé. Il a dit, se poser question, est-ce que mon ils se sont interrogés si notre personne lui avait apporté la nourriture. Et a expliqué qui est ma nourriture. C'est pourquoi il leur a expliqué que sa nourriture à lui. Ezali, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ezali, pour ça, la mokane ya moto ya tibinga. C'était la sixième heure. Ezala ki bonga ya motoba. Maintenant, dans le moment wana alobi ke na tinda kibino na bilanga ya basusu. Maintenant, en ce temps-là, il leur dit que je vous ai envoyé dans le champ où d'autres avaient semé. Nazu verset 33. Le verset 33. Verset 30. Namanim na 32. Bango balobi na 31. Pendant ce temps, les disciples les pressaient de manger. Disant, Rabbi mange. Natangwana ba ye koli bazala ki kotini kaye na kulia koye msaete mote liya. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Nazali, nabilei, nagai, bilei, oyo bino boebite. Les disciples se disaient donc les uns aux autres. Les disciples, baye koli bazala ki komi tuna na moko pe mosusu. Wana tozana verset 33e ya Jean 4. Là nous sommes au verset 33 de Jean 4.
Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? C'est tout un enseignement que vous allez entendre, ce qui nous va permettre de goûter à moi. C'est tout un enseignement, nous allons le prêcher au temps convenable. Voici, je vous l'ai dit, Tala Nazali Koyusa, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent. Oyo et komi. Oui, pour la moisson. Pour na kobuka ya. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Moto ya sali kobuka ne langa zwaka. Et amasse des fruits pour la vie éternelle. Pe apomba kabambuma oya kuki pour na bumu ya sali. Afin que celui qui sème. Oui, te moto ya sali na kolo. Et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Le nago ya sali kobuka basse pe la bango iso elongo. Car en ceci ce qu'on dit est vrai. Oui, te autre est celui qui sème, mususu ezali oya loni, et autre est celui qui moissonne. Mususu ezali oya buki. Verset 38. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Natingi bino bokende kobuka oyo bino bolona kite. D'autres ont travaillé. Ba misusu basala ki mosala kolona. Et vous êtes entrer dans leur travail. Pepino kokoti na mosala na bango pona kobuka. Basusu basalaki. D'autres qui avaient travaillé avant. Mais bino bapotre kokoti nde na mosala oya bango. Mais vous les apôtres, mes disciples, vous êtes entrés dans leur travail. Donc Shawana. Donc ces gens-là, bien Ezaba, yaba oyo ba travayaki avant ba disciples. Ces gens-là appartenaient aux travailleurs ou aux ouvriers qui avaient travaillé avant les disciples. Champs oyo eza église terre. Ces gens ici ne sont pas l'église. Parce que ce qu'on suit 1 Corinthiens 3, verset 9. Parce que en prenant 1 Corinthiens 3, le verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu. L'édifice de Dieu. Oyoyo. Cette écriture. C'est dans ces champs que travaillent les apôtres. Mais il y avait un champ qui était. Donc, des champs. Il y avait des champs au pluriel qui étaient avant que les apôtres ne viennent. Et le Seigneur a dit : je vous ai envoyé moissonner naba champ. Natinda ki binomo ke de kobuka naba bilanga wana. C'est pourquoi en regardant les écritures, Jésus tout au long y a vie, Jésus tout au long de sa vie, dans Matthieu 12 verset 1er, dans Matthieu 12 le verset 1er, Azalaki koleka babilanga, il traversait les champs de blé. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. En ce temps-là, Nantangoana. Jésus traversa des champs de blé. Yesu azalaki kokati sa babilanga ya masamba. Un jour de sabbat. Izalaki mokolo ya sabata. Ses disciples qui avaient faim. Bayekoli na yo bazalaki na nzala. Se mirent à arracher des épis à manger. Bango bakomaki kobuka ba poulet ya masamba wana pe kolia. Donc Jésus a traversé des champs. Yesu azalaki kokatisa babilanga ebele. Et tant que Jésus a traversé babilanga wana, et quand Jésus traversait ces champs,
Ba disciples bazako buka na katia milanga o e Jésus a azoleka. Et les disciples arrachaient avec la main les épis dans ces champs de blé. Pourquoi bazaki ko arracher avec la main? Pourquoi les disciples le faisaient avec leurs mains? Deutéronome 23, ils ont répondu. Deutéronome 23 nous donne la réponse. Verset 24. Le verset 24. Na 25. Et le verset 25. Nazui, verset 25. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Deutéronome 23, verset 25. Si tu entres dans les blés de ton prochain, soki okoti na babilanga ya boule ya musalani na yo, qui pourra cueillir des épis avec la main? Okoki kobuka o ezali masangu wana na loboko. Mais qui n'agitera point la faucille? Kasi yo okosalela te ekateli. Sur les blés de ton prochain. Likolo babilanga ya musalani na yo. Lokola tomoni ba disciples na babilanga wana bazobuka nde na maboko. Et comme nous avons vu dans Matthieu 12, les disciples dans ces champs arrachés avec le main, c'est-à-dire ces champs-là ne leur appartenaient pas. D'après Deutéronome, tout dit déjà bon. D'après Deutéronome 23. Si tu entres dans le blé de ton prochain, ce qui au côté na babilanga ya boule ya mosani na yo, okobuka na maboko nde na yo, tu arracheras avec la main. Étant toujours remarqué dans Matthieu. Mais lorsque nous remarquons dans Matthieu, les disciples dans la babilanga wana bazobuka nde na maboko. Et les disciples dans ces champs-là arrachés avec leurs mains. C'est que bango te ne basala bilanga. C'est-à-dire ces champs-là ne leur appartenaient pas. N'ajoutez ce mouvement wana eza pambate. Ce n'est pas en vain que je parle de ces mouvements. Des champs que le Seigneur a tindaki. Les champs où le Seigneur avait envoyé les disciples d'aller travailler, c'était d'autres qui en étaient le travailleur. Alors, ces champs-là, d'autres qui avaient travaillé dans ces champs-là, ils ont tous les prophètes. Ils ont tous les Moïse, Mose, Abraham, Abalama, Josué, Abakouk, tous les prophètes. Basakoli pense. Misala na bangonion so basala. Toutes leurs œuvres, leurs services. Eza babilanga. Misala wana nyonso. Donc c'était comme des chants au pluriel. Toujours qu'on a malam avec l'écriture. Nous nous faisons bien comprendre dans les écritures. Maintenant, il faut n'ayez pas que. Maintenant, tu dois savoir, bien-aimé. Ma disciple, ma koti na babilanga oyo, Jésus peut azoleka. Les disciples sont entrés dans les champs où Jésus traversait. Dominique Lomasso, Josué dit Genèse. Donc, cela veut dire, si vous prenez comme les livres de Genèse, il faut mon nom, Jésus azoleka. Donc, il faut voir Jésus traverser les livres de Genèse. Tu peux lire Exode. Il faut mon Jésus en train de marcher. Tu dois voir Jésus marcher, traverser les champs appelés Exode. Amen. Tu peux lire Josué. Vous voyez Jésus. C'est là qu'ils viendront cueillir ou moissonner. Dieu a établi sa loi sur champs. Le Seigneur avait donné une loi sur le champ. Donc le Seigneur prenait le prémisse qui provenait du champ. Amen. Et c'est ce qui était donné au sacrificateur. Dans Lévitique 23. Dans Lévitique 23. Lévitique chapitre 23. L'écriture et le biboui. L'écriture dit ceci. Le verset 10. Le verset 10. Nabanina 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit. Yahweh a émis sinamo sepe à ta liste. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Quand vous serez entrés dans les pays que je vous donne.
Tango bino kokotaka na mboka ona zopesa bino. Et que vous y ferez la moisson. Tango bino kokubu na bino. Bwana verset 10, il avait dit 23. Vous apporterez au sacrificateur une gerbe. Prémisse de votre moisson. Oye salimbu mayambo ya kobuka na bino. Omoni soki biloko eza na bilanga. Vous voyez s'il y a la moisson dans le champ. Ezalaka nanu liboke ya biloko bakobimisa ya yambo na bilanga. Il y aura d'abord une gerbe qu'on va appeler le prémisse. Wana bakomemango ekeyi liboso ya nganga Nzambe. Et ces prémisses là, on va les apporter devant les sacrificateurs. Ikeyi na temple. Non, les prémisses se rendront au temple. Maintenant, na champ oyo nyonso ya ba champ oyo. Maintenant, dans tous ces champs ici. Donc, ba Moïse. Les champs qui sont Moïse. Ba Élie. Élia. Ba Daniel. Daniel. Ba nyonso bazo sala. Ba chant. Tous ces prophètes-là forment les chants au pluriel. Maintenant qu'on soit éloko ya yambo. Maintenant prendre le prémisse pour les apporter au temple. La maison de Dieu qui était sur la terre n'était que l'image du ciel. Yango qu'on remarquait. C'est pourquoi tu vas remarquer, bien-aimé. Jésus-Christ. Alomi parole dans Jean 3. Il a dit une parole dans Jean 3. Personne n'est monté au ciel. Motomo kote atikala komata makolo. Alomi a mopane. Pourquoi Jésus l'avait dit? Ou sinon, Elie a kokoma prémisse. Enoch a kokoma prémisse. Sinon, Elie et Enoch seraient les prémisses des gens. Oh, et l'on voit yambo yo, et que ça l'a été bandinga bandi mama, et sa kaka, yemoko ya yambo. Oh, na ya yambo. Oh, les prémices qui fera que tous les champs soient agréés, c'est lui-même le premier-né. Yambo y fala l'obali kambo, oh yo yo, na Jean 3. C'est pourquoi il dit verset 13. Dit cette parole dans Jean 3, le verset 13. J'ai le nom de Jésus-Christ. Personne n'est monté au ciel. Motomo kote atikala komata makolo. Ne le béni mosusu. Dans un autre langage. Na babilanga nyonso oyo ezali. Dans tous ces champs qui sont là. Prémisse ata mokote kende liboso nzambe. Aucune prémisse n'a été prélevée devant Dieu sacrificateur. Wana Jean 3 verset 13. Là Jean 3 le verset 13. Nzambe lobi ezali nok ezala Eli. Le Seigneur dit que ce soit un homme ou Élie, personne n'est monté au ciel. Jésus-Christ lui-même. Oh, Jésus s'appelle Je suis la vérité. Ma promesse, c'est en lui qu'il y a le oui et l'amen. Il faut que répondre pourquoi le bâtiment. Il faut savoir répondre à cette parole de Jésus. C'est parce que c'était lui Jésus. Dans tout le champ qui était là, présent. Comme lui aussi était présent. Il devrait être le premier ce qui devrait être présenté au temple. Yango, le frère Paul a prêché ainsi. C'est pourquoi le frère Paul a prêché. Dans 1 Corinthiens 15, verset 20. Amen. 1 Corinthiens 15. Dans verset 20. Au verset 20. Allô, Biboué. Il dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Kasisikoyo Christo a se kwa kati na bakufi. Il est le prémisse. Ma ya yambo de ceux qui sont morts. Ya ba nyonso ba wa. Voilà le prémisse. Voilà le prémisse. Et Jésus-Christ. C'est Christ et Jésus-Christ.
Dans 1 Corinthiens 15, verset 21. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 20. La mort a dominé sur tous les hommes. Sur Élie aussi, sur Enoch aussi, même si Dominique Enoch marcha avec Dieu 300 ans et il ne fit plus Dieu l'enleva. Ezala Nikoloya Enoch topea Elia atakwa tapola kina Zambe Zambe anitolakie. Ezala Wana surtout tengi Genèse 5 verset 24. Là en lisant Genèse 5 le verset 4 24. Verset 24. Et si tu aussi, il y a Élisana 2 rois 2, verset 11. Et si nous prenons la scène d'Élie au chapitre 2, 2 rois, le verset chapitre 2, 2 verset 22. Verset 11. Donc c'est que, dans le cas, il y a un mot à comprendre. C'est que dans tout cela, nous comprenons. Nyonso et Salema qui avant c'était des ombres. Tout ce qui s'était passé avant n'était que des ombres. Et Zalaika Babili Lingi n'était que des images. Mais la vérité, la Siboso, c'est Christ. Isali Christo. Nazo insisté. J'insiste. Et non, Kaza mortel, Eliaza mortel. Et non, était mortel et Eli aussi. Yango Jésus a dit que personne n'est monté au ciel. C'est pourquoi Jésus avait dit monte mon côté a dit que la kumata makolo. Jésus a comme prémisse yaba chango yonion suzali que avant. Jésus a zali loko la kuma yambo yamilanga yonion suzala kikala. Mais le Seigneur a l'oba qui boye. Mais le Seigneur avait dit ceci. Lorsqu'il donne l'exemple de Moïse, tant le peuple d'Israël est soumoukaki, lorsque le peuple d'Israël avait péché, dans Exode 32, le Seigneur a l'obaki, le Seigneur avait dit, n'ako détruire tout ce peuple, je détruirai tout ce peuple, mais par yo, mais par Moïse, quoi, Moïse, n'ako bimisa une grande nation, je ferai sortir une grande nation. Et là, quoi, les a prophétiques. Cette parole-là cachait la lumière. C'est Exode 32, verset 10. C'est Exode 32, le verset 10. Quand Dieu jugera les peuples d'Israël, il fera sortir dans un prophète élevé au-dessus de tous une grande nation. Libota moko monene. Et tous on croire que et nous croyons bien aimé dans Matthieu chapitre 22. Dans Matthieu chapitre 22, le Seigneur a zolobé la parabole ya ma convié. Le Seigneur parle à zolobé la lisese ya ba ma bengisa kina elulu. Ba oyo ba boya ki koya. Et ceux qui avaient refusé de répondre à l'invitation. Mais à Salakini. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Après Koluka Kebaya, Batosi Kagate. Après avoir cherché par tous les moyens à assister à la fête, mais ils n'ont pas obéi. Verset 7. Le verset 7. Il y a Matthieu 22. Matthieu 22. Le roi fut irrité. Mon conti a Silikaki. Il envoya ses troupes. A Tindaki ba. Fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Et à Tumbaki et Kumba na Bango. On les a retardés ça. Quand on a eu un qui est au coin de Nicolas Jérusalem. Et cela représentait la colère que le Seigneur avait dit s'abattre sur Jérusalem. Nassima qui va crucifier. Après qu'ils aient crucifié lui, le Seigneur. Au moins, il est langage à son soir. Vous voyez le langage qu'il adopte. Ezalaki a son benga ba confié. Donc il appelle le Baya na fête de venir à la fête. Ba boyi koya. Ils ont refusé de venir. A bengi bango ba maîtrier. Il les a appelés et meurt ba bomi. Là déjà c'est qui parabole, mais ça compte à ce que
Israël a une foi moumaï. Donc là, c'était une parabole. J'ai montré que le Seigneur Israël devrait tuer Jésus, le Seigneur. C'est Israël qui sont des maîtriers. Mais Dieu a jugé. Mais le Seigneur les a jugés. Par les châtiments, Atindaki, ma ouvrier naïe, qui était aussi l'Empire romain Natawan. Et par son châtiment, il avait envoyé l'Empire romain, qui était aussi ses serviteurs ou ses troupes en ces temps-là. Parce que le Seigneur a utilisé la nation comme des verges pour voir combien t'as aussi son peuple. Parce que le Seigneur utilise aussi des nations comme son fouet pour fouetter son peuple. C'est comme dans Ésaïe 10, verset 5 et 6. C'est comme dans Ésaïe 10, le verset 5 à 6. Azobenga Assyrie est aussi ma verge. Il appelle Assyrie Lingendayakanda Nangai. Et c'est comme aussi dans Jérémie 25, verset 9. C'est comme dans Jérémie 25, le verset 9. Azobenga Nebuchadnezzar, c'est mon serviteur à moi. Il appelle le roi Nebuchadnezzar de Babylone son serviteur. Vous voyez dans Joël 1. Il vient dans Joël 1. Atindi Bensect. Il a envoyé les insectes. Dans Joël 2, Benyango, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Et dans Joël 2, le Seigneur appelle ces insectes comme sa grande armée envoyée contre Israël. Le Seigneur n'a vu même l'anganayo. Le Seigneur même dans ma vie et dans la sienne. Sans avoir reproché aux oyokates. Si le Seigneur te reproche et tu ne comprends pas, au titre de l'air son serviteur. Il va t'envoyer son serviteur. Azor de la témoté. Je ne parle pas du ministre de la parole, non. À côté de son serviteur. Il va t'envoyer vraiment son serviteur. Il va t'envoyer des songes qui épouvantent. Là, tu te réveilles subitement avec le cœur qui bat anormalement. Là, on ne va pas te pousser à la prière. Mais toi-même, tu commences au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, à la moussie. Donc, le Seigneur t'a réveillé. Il faut évaguer. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Seigneur, il faut évaguer. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. C'est pour notre bonheur. Donc, tous les combats que nous pouvons, contre lesquels nous pouvons être confrontés, c'est pour notre bonheur. Dans la chair, nous allons souffrir. Mais c'est pour réamener nous parfois à la repentance. C'est parfois pour nous amener à la repentance. Pour tous à la redresser. Pour que nous soyons redressés. Et c'est ce que le Seigneur fait avec Israël aussi. Le fait que Israël a refusé l'invitation. Le fait que Israël a rejeté l'invitation. Dieu l'appelle les meurtriers. J'insiste sur ça parce que je vais chuter sur Caïn. Parce que je marche sur les langages de Dieu et non celui des hommes. Allez brûler la ville de ces meurtriers. Dans Matthieu 22. Dans Matthieu 22. Mais quand le Seigneur a dit dans Exode 32. Mais lorsque le Seigneur avait dit dans Exode 32. Que ceux qui a brûlé ce peuple. Donc s'il brûle ce peuple. A suscité une grande nation dans le prophète Moïse. Il va susciter une grande nation du prophète Moïse. Donc le prophète Moïse. Exode 32, 10. Exode 32, le verset 10. Exode 32, verset 10. Exode 32. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Je les consumerai. C'est prophétique. Mais je ferai de toi une grande nation. Et quand maintenant dans la réalité le véritable Moïse est venu. Et lorsque dans la réalité le véritable Moïse est venu. Israël aussi a rejeté la parole. Israël aussi a rejeté la parole.
maintenant la parabole de Matthieu 20. Dieu les appelle les maîtriers. Donc, babomi sa parole. Donc, ils ont tué sa parole. Et il faut brûler Bango. Et il faut qu'ils puissent le brûler. Qu'on brûler voilà, c'est son jugement. Et brûler, c'est ça le jugement. Le linga châtié qui Jérusalem. La manière dont il avait châtié Jérusalem. Linga l'homme qui était égotique à la pierre sur pierre. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit. Luc 19. Luc. Verset 41 à 44. 19, le verset 41-44. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle. Et dit, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées. T'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront. Toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jugement oyoyo. Ce jugement bien-aimé. C'est un feu, ils ont brûlé les villes. C'est un feu qui brûle la ville. Dieu bénisse. Amen. Donc, tant nous avons châtié Israël. Lorsque le Seigneur châtie Israël. Le fait qu'il est crucifié qui Messie. Le fait qu'ils avaient crucifié le Messie Jésus. Mais Dieu avait dit tant qu'on brûlait. Mais le Seigneur avait dit lorsqu'il va brûler la ville. À cause du prophète Moïse. Il prendra Moïse le prophète. Il faut même mettre en quatre le prophète Moïse une grande nation. Il faut qu'il fasse sortir dans le prophète Moïse une grande nation. Véritable prophète Moïse c'est Christ et Jésus. Moïse a solo de Jésus Christ. Et à cause du meurtre que Israël a salaki, à cause du meurtre que Israël avait commis, Dieu a brûlé la ville. Zabé a tombé en Gumba. Mais il faut Zouanakata Moïse véritable a mis une grande nation. Mais il doit faire sortir en Moïse véritable une grande nation. Yango Ephésiens 2:10 et solo va Moïse. C'est pourquoi Ephésiens 2:10 se dit ceci. Car nous sommes son ouvrage. Oui, t'es tous allés piquer la mounaïe. Ayant été créé en Jésus Christ. Oui, t'es que la mounaïe en Jésus Christ. Donc, il a mis la carte à vrai Moïse. Donc, nous sommes créés en. Dans le vrai Moïse. En Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance avant, afin que nous les pratiquions. Maintenant, ils créés dans Katia Christ et Jésus. Qui sont créés dans le Christ et Jésus. 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, le verset 9. Vous au contraire, Bino, nous sommes gardés. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Libota. Voilà. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a fait des ténèbres à son admirable lumière. Parce que c'était prévu que la carte à véritable Moïse, une nation est bima. Parce que c'était prévu que dans les véritables Moïse puisse sortir une nation. Or, véritable Moïse, il est dans la prémisse, il y a chant et à l'imposo. Or, le véritable Moïse, c'est lui les prémices des premiers chants. Donc, tant que Basu germe, il y
Lorsqu'on prend la gerbe des premiers champs, pour se rendre devant Dieu, dans cette gerbe-là, il y a un autre champ qui a été fait. Ayant été créé en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Amen. Qui sommes les bananes? Qui sommes-nous? La nation sainte. L'hypota est sainte. 1 Corinthiens 3, 9 et Bengi Bisson. 1 Corinthiens 3, 9 nous appelle. Les chants de Dieu. Et la gaïa ensemble. Tous ceux qui ont la malade. Amen. Le chant de Dieu. Et la ensemble. Mais la chose où il est salé, que Israël a boni Christ. Mais la chose qui s'est passée du meurtre d'Israël sur le Christ, déjà ezala ki na katia ba chant nyonso. Déjà cela était prévu dans tous ces chants-là. Parce que le Seigneur a dit dans Jean 5. Parce que le Seigneur avait dit dans Jean 5. Le verset 39 à 40. Le verset 39 à 40. Tous autant en moi na kombo na Jésus Christ. Nous les lisons au nom de Jésus-Christ. Jean 5, verset 39 et 40. Jean 5, le verset 39 à 40. Jésus-Christ dit ceci. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les Écritures parlent de Christ. Les Écritures parlent de Jésus-Christ. Donc, il y a autre verset qui est Matthieu 12. C'est pourquoi nous avions donné Matthieu 12. Verset premier. Le verset premier. Na Babylone, Jésus traversait. Dans tout le champ, Jésus traversait. Donc, champ, Jésus a Zanakat. Donc, dans tous ces champs-là, tu verras Jésus être à l'intérieur. Que Dieu bénisse. Amen. Ce qui batounio. Si on t'interrogeait par Jésus a botami combien de fois dans les Écritures de Dieu? Combien de fois Jésus est né dans les saintes Écritures de Dieu? Pe a koufi combien de fois koufa? Et combien de fois on a présenté sa mort? Okoloba d'abord, boy. Tu vas d'abord dire ceci. A botami dans la chair. Il est né d'abord dans la chair. Nanzela une vierge appelée Marie. Par la voix d'une vierge appelée Marie. Balaliboso, pour la première fois. Au Pessi Ezali. Na Matthieu. Na Luc Balobelian aussi. Vous donnez même Galates 4, verset 4. Dans Matthieu, dans Luc et même l'épître de Paul au Galates 4, le verset 4. Nazi Galates 4, verset 4. Galates 4, le verset 4. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils. Né d'une femme. Né sous la loi. Tu montres comment est-ce qu'il fut. Par une vierge. Kotika la côté a te que Marie a botaka ka Jésus et Sili. Wana Bible baby. Ne prêche jamais que Marie n'avait enfanté que Jésus et c'est tout. Tu vas en Marie dommager. A bota bana na sima. Zaki moi si ali bala te. Marie était une femme d'autrui. Ozana li bala les alisson. Être dans les mariages c'est un péché. Nengi catholique a te gabisson. Comme un catholique nous prêche. Tu veux servir Dieu, abstiens-toi de te marier. Écriture, c'est quelle écriture qui dit cela? Matthieu 13, le Bible. Matthieu 13 dit ceci. Dans Matthieu chapitre 13. Nous prenons Matthieu chapitre 13. Totangi à partir du verset 53. Nous lisons à partir du verset 53. Tiens, verset 58. Jusqu'au verset 58. Amen. Lorsque Jésus a achevé ses paraboles, il partit de là.
S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue. De sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Jacob, Joseph, Joseph, Simon, Simon, Jude, Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Donc Jésus a zali na bandeko mibali pe bandeko basi Joseph na Marie papota. Donc Jésus avait des frères et des sœurs qui provenaient du mariage de Joseph et de Marie. Na sima tanga botaki Jésus après avoir enfanté Jésus. Azaki moi c'est libala parce que nzamba lo mais qui prend ta femme. Marie était une femme au foyer parce que le Seigneur avait dit à Joseph de prendre sa femme. Donc il fallait pas beau temps, ils allaient soumouter. Il fallait qu'ils puissent avoir des enfants, ce n'était pas un péché, c'est la parole même de Dieu. Zambé déjà s'est accompli, c'est qui sa mission. Les dieux avaient déjà accompli sa mission. Il signifiait que d'abord il y a par une vierge. Il fallait que Jésus vienne par une vierge. Mais à ce pays-là qui est. Et Joseph a déjà Marie pour Ezala Israël à comprendre mystère en Zambété. Mais le Seigneur avait fait que Joseph prenne Marie avec lui. En fait, Israël ne comprenne pas le mystère de Dieu. Jude a comment livre à Jude avant Apocalypse Azad de quoi Jésus n'a pas. Le frère Jude qui a écrit son épître avant Apocalypse, c'est le frère biologique de Jésus. Ezala Jacques. Dans le fait, pas Jacques Moussoubazani, mais Jacques aussi, il y a frère à Jésus Aza. Il y a beaucoup de Jacques dans la Bible, mais il y a aussi Jacques, frère biologique de Jésus. Oh, vraiment, Bazaki Nendak Mokoboui. Donc, il vivait dans la même maison. Azali. Et qui appelait même Jésus grand frère. Il était là. Donc, Jésus était venu dans des choses qui étaient folles. Et donc, pour comprendre, c'est une folie. Donc, pour comprendre ça, c'était une folie. Jésus est né dans une famille. Et donc, on a Israël à pour qu'il jamais. Et Israël ne pouvait jamais l'accepter. Mais ils sont condamnés, c'est ça parce que l'autel de terre. Naman a même qui a envers les nations. Et toi, si tu l'as accepté, c'est parce que Naman avait amené l'autel de terre vers eux, les nations. Nous croyons que Dieu s'est fait homme. Nous croyons que Dieu s'est fait homme. Il est comme une terre, nous adorons. Et il est venu comme une terre et nous adorons sur cet autel. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que Makatina Yango, dans tout cela, oui, à Botamaki, par Marie. Il était né par Marie. Mais tous les sous écriture, il y a naissance sous il y a Jésus. Mais nous avons aussi une autre écriture de la naissance de Jésus. Quand Paul a exposé la parole dans Acte 13. Lorsque Paul expose la parole dans Acte 13. Tout autant là, on va partir avec ces 31, 33. Nous lisons cette écriture dans Acte 13, 31 jusqu'à 33. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. On a parlé même à 30. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem. Nazan Acte 13, verset 31. Je suis dans Acte 13, le verset 31, et nous irons jusqu'au verset 33. Et qui sont maintenant ces témoins auprès du peuple.
Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants. En ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Lorsque Jésus est né, donc, il y a une écriture de psaume 2 qui s'accomplit. Donc tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc donc la résurrection de Jésus, c'est encore une autre naissance de Christ. Il y a mon Romain 1 et le Bible, verset 1 à 4. C'est pourquoi Romain 1, le verset 1er jusqu'à 4 dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Paul, Moussa de Jésus-Christ. Appelé à être apôtre. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu. Par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et qui concerne son fils. Né de la postérité de David. Selon la chair. Et déclaré fils de Dieu avec puissance. Selon l'esprit de sainteté. Par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ donc tu es mon fils. C'est à sa résurrection. Vous aurez l'écriture, vous suivez l'écriture telle qu'elle est. Alors, Christ a confié combien de fois? Alors, combien de fois est mort le Christ? Dans la chair, Boé a confié une seule fois. Dans la chair, Jésus n'est mort qu'une seule fois. Il y a aujourd'hui Hébreux 9. C'est pourquoi nous prenons Hébreux 9. Le verset 26. Le verset 26. Nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 25 à 26. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré. Comme entre les souverains sacrificateurs chaque année dans les sanctuaires avec du sang étranger. Na komina verset 26e ya Hébreux 9. Autrement, il aurait fallu qu'il y souffert plusieurs fois. Lolenge mosusu esengela kiete anyo kwa mabalibele. Depuis la création du monde. Uta ko bokeli na mukili. Tandis que maintenant. Kasi. À la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Et de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'entendent pour leur salir. Vraiment nous disons Amen. Amen.
Christ est mort une seule fois dans la chair. Mais nous avons Hébreux 6, verset 5 à 6. Mais nous prenons encore Hébreux 6, le verset 5 à 6. Tout le temps, on a combo na Jésus Christ. Tout le monde est à 4. Verset 4, 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. Qui ont goûté les dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amené à la repentance, puisqu'il crucifie pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Et il y a une crucifixion qui se fait maintenant. Il y a une crucifixion qui s'est faite aujourd'hui. Il y a qu'on rejeté la parole. De rejeter la parole. D'ailleurs, le Seigneur déjà expliqué qu'il y a une forme parabolique dans Matthieu 22. D'ailleurs, le Seigneur l'avait expliqué en parabole lorsque nous étions dans Matthieu 22. C'était sa parole dans l'Ombagui. C'était sa parole qu'il avait entendue. Lorsqu'ils ont refusé la parole, les meurtriers. Le Seigneur les a appelés Babomi. Parce que tout le temps, il y a Matthieu 22. Je pense qu'on avait lu Matthieu 22. Là, on a toujours pensé. Là, je prends toujours la pensée. Le Seigneur a son talent là. La manière dont le Seigneur voit le meurtre, tuer le Fils. Donc, Israël a bombardé le Fils de l'homme. Israël avait tué le Fils de l'homme, moi dans mon dos. Mais ça n'a pas tombé aujourd'hui le Fils de Dieu. Mais il y a ceux-là aujourd'hui qui tuent le Fils de Dieu. Vous saisissez mon langage. Donc, Israël a bombardé quand il était dans la chair. Israël avait tué Jésus dans la chair. Mais à sa proclamé Fils de Dieu lors de sa résurrection. Et tout le temps il vit à l'église. Et tout le temps de la vie de l'église. Et ça n'a pas tout besoin d'aimer là le Fils de Dieu la parole. Donc, il y a ceux-là qui s'opposent au Fils de Dieu qui la parole. Bah, ça aussi va meurtrier. Et ces gens-là sont aussi des meurtriers, ma bombe. C'est pourquoi tu dois savoir ceci. L'ikamboyo Israël a salak oba Christ. L'œuvre qu'Israël avait accomplie de tuer le Christ. Le Seigneur a répété mon abachanion sur cela qui avant. Le Seigneur l'avait répété dans tous les chants des prophètes là qui étaient avant. Yango qu'on remarqué que na 1 Pierre 1. C'est pourquoi vous allez remarquer dans 1 Pierre 1. L'écriture est Zorobaboy. L'écriture nous dit ceci. Verset 10 à 12. Le verset 10 à 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Basakoli oyo basakolaka na kusimbaka kolu oyo pomba makapona bino. On fait des insalis. Basalaka na lobiko wana. L'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Et loko na bango ya koluka luka luka. Voulant sonder l'époque. Koluka koyeba bantango. Et les circonstances. Pe mabafu. Marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Oyo molimo asala ete ezala molimo ezala ki kati na bango. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Et la gloire dont elle serait suivie. Donc, ma prophète, parce qu'il y a un esprit dans le prophète avait
Seigneur, l'esprit de Christ, Christ. Cet esprit-là a testé les souffrances de Christ. Nous voyons comment on avait tué Abel. Comment est-ce qu'on avait vendu Joseph? Comment est-ce qu'on avait emprisonné le prophète Jérémie? Il y a beaucoup de cas pareils dans la vie du prophète. Ma souffrance, il y a l'œuvre, il y a croix. Cela montrait, attester ou témoigner les souffrances de Christ à la croix. Le Saint-Esprit n'a qu'à dire Étienne et Zolomon. Le Saint-Esprit dans Étienne répète cela. Acte 7. Acte chapitre 7. Verset 53. Le verset 53. Acte 7, verset 53. Nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nabali même na 51. Tina 53. Homme au courage. Bato oyo kingo e kitakate kangama. Incirconcis de cœur et d'oreille. Oyo bakata ma kitakate a monté ma paix à ma tour. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, oyo batata na bino basala, vous l'êtes aussi. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Vous savez, amen. Ce qui annonçait la venue du juste. Donc, ce sont tous les prophètes. Et Israël les tuait d'abord. Et Israël tuait ses prophètes. Et à continuer. Et que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les maîtriers. Oyo bino okabaki po baboma lelo pe bino bozali babomi. Je pense que tu comprends mal. Il y a un commun. C'est pourquoi tu vas remarquer qu'on fait mourir Christ étant fils de l'homme. Faire mourir le Christ comme le fils de l'homme. Jésus là, Azali, véritable prophète, ou Azali, pour souffrir comme signe. C'est Jésus là est le prophète qui souffre comme signe. Donc, Jésus est le véritable. Jésus est le véritable. Il y a oh, Azali pour souffrir na signe. Du prophète qui souffre en signe. Donc, babomi Abel. Donc, on a tué Abel. Place Abel, tiens Jésus. À la place d'Abel, remplace par Jésus-Christ. Place à Caïn. À la place de Caïn. Dans Matthieu 22, verset 7, 8, va maîtriser. Prends Matthieu 22, le verset 7. Israël. 8 comme Israël, le meurtrier Caïn. Et c'est l'écriture. C'est l'écriture de Dieu. Mais tout au long de la marche, il y a l'église. Maintenant, tout au long de la marche de Christ est ressuscité. Christ a séduit. Déclaré fils de Dieu. Et à date de la vie, on a par la puissance. Nambouya. Et Hébreux 6, c'est le mythe. Et Hébreux 6 dit. Il y a les gens qui crucifient encore le fils de Dieu aujourd'hui. Et Zali n'a pas de raison au moi n'en savais. Ton acte il y a qu'on rejeté véritable enseignement, pas on présentait faux enseignement. Donc en rejetant le véritable enseignement, il présente le faux. Il crucifie les toujours le fils de Dieu parce que il est déclaré fils de Dieu lors de sa résurrection. On parle du fils de Dieu parce qu'il est déclaré comme tel lors de sa résurrection. Dieu est esprit. Fils de l'esprit. Mais moi, il y a mon limo. Le Seigneur a l'obaki dans Matthieu 12. Le Seigneur avait dit dans Matthieu 12. Celui qui pêche contre le Fils de l'homme, il sera pardonné. Oyo, azo soumouka. Oloyemoubaza législateur. Le Seigneur lui-même est législateur. A des lois, a scellé loi pour a préparé Israël, pardon. Donc, il a mis la loi, il a édicté la loi pour préparer le pardon à Israël, son peuple. Matthieu 12, il y a une loi.
Écoute Matthieu 12. Parce qu'avant de lire cela, je vais d'abord. Verset 21. Je me rends d'abord dans Ésaïe 33, le verset 22. Ésaïe 33, le verset 22e. J'ai le nom de l'Esprit. Amen. Car l'Éternel est notre juge. Nous l'avons vu dans le jardin d'Éden venir juger. L'Éternel est notre législateur. Yahweh Azali Mosali Yamibeko. Tomoni na jardin d'Éden ayaki kosala la législation. Nous l'avons vu dans le jardin d'Éden venir édicter la loi. Bambomanyon soyo ya banzete nyon so kolia. Tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais quand tu fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas le jour où tu mourras. Là, il est comme législateur. Là, il est venu comme les législateurs. Donc, les législateurs. C'est lui-même. L'Éternel est notre roi. Yahweh Azali Kumuna Bisou. Règne Zakaï. Donc, le règne lui appartient. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui était venu leur donner la peau de l'agneau. Donc, toutes ces œuvres-là, ces attributions-là, c'est lui. Maintenant, il a fait d'abord qu'il puisse donner la loi. Dans Matthieu 12. Dans Matthieu 12. Allô, Biboué. Il dit verset 32. Le verset 32. De l'homme. Là sur terre, il était comme le fils de l'homme. Quiconque parlera, c'est le nom de Jésus-Christ. Quiconque parlera contre le fils de l'homme, il lui sera pardonné. Et qu'on limite sa calisumunaye. La Israël a tout soulevé. La Israël blasphémé, l'appelait Belzéboul. Mais pas déjà tiré. Mais il établit une loi. Il sera pardonné. Maintenant il avance. C'est pourquoi tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Donc c'est en ces temps ici. C'est crucifier les fils de Dieu. Vous aurez un malam. Amen. Donc ils ont maîtrisé Israël. Donc il y a Israël comme meurtrier. Oui, mais Moussa, ils ont nation basalaka. Vous voyez l'œuvre que les nations font. Parole. Donc, elle rejette la parole. Israël peut moko asala kapé musala na boaki parole. Et à un moment aussi, Israël rejette les nations comme la parole comme les autres nations. Nzamba identifie kayelo lengi moko kana ba nation. Et le Seigneur l'identifie de la même nature que ces nations là. Dans Jérémie 12. Nous prenons Jérémie chapitre 12. Parce que likambonanga ezalande na Genèse 4 verset 8. Parce que mon problème c'est dans Genèse 4 le verset 8. Nde ya ona bakisa na zoluka biloko nyo. C'est pourquoi je cherche tous les ingrédients pour bien préparer ma parce que un bon cuisinier doit savoir préparer. Dans Jean, Jérémie 12, verset 9. Jérémie 12, le verset 9. Nazotan, mon héritage a été pour moi un oiseau de proie. Donc, c'est moi, Zamba, je pense bien. Aussi, les oiseaux de proie viendront de tous côtés contre lui. Allez rassembler tous les animaux des champs. Faites-les venir pour qu'ils les dévorent. Au moins, ils sont aussi Genèse 15.
Voyez si vous prenez Genèse. Tamuzamba lobaki na Abraham akata banyama sala sacrifice. Lorsque le Seigneur avait ordonné à Abraham de faire les sacrifices. Banyama oya kataki ya 3 ans. Les animaux qu'il avait partagés l'un vis-à-vis de l'autre. Banyama on était sala Israël. Ces animaux-là de 3 ans représentent le peuple d'Israël dans son. Comprendre dans mon ennemi. Comment est-ce que tu vas les comprendre? Israël a botami jour à Pâques. Israël est né le jour de la Pâque. Dans Exode 12. Dans Exode 12. Zambalobaki, c'est moi-ci. Moi, Oyo. Sansa Oyo. Sera pour vous les premiers des mois de l'année. Et que ça la bonne amie, non, sansa ya 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 voula. Cela veut dire annuler qui va date de naissance na bango nyonso d'abord. Ça veut dire que le Seigneur avait annulé toute leur date de naissance. Ya moto lobaka. C'est pourquoi nous disons. Mutabota magasoka le agneau véritable. Donc la la naissance, c'est lorsque tu manges l'agneau véritable de la Pâque. Quand est-ce que tu es venu dans la foi? Vous voyez quand j'étais dans l'église charismatique? 8 ans. J'avais fait 8 ans. J'écoutais la voix. Je suis entré dans une église de sommeil. Tu es né lorsque tu as reçu la vraie parole. Prends toutes tes années là des groupes de prière et jette-les dans le fleuve Coco. Tu nais lorsque tu reçois la vraie parole. Et il y a eu le baptême au nom de Jésus. Et cela t'a poussé à recevoir le baptême au nom de Jésus. Maï. Dans l'eau. Et la promesse du Saint-Esprit s'accomplit dans ta vie. Alors, ceux qui ont compris que Israël a botami sous mukolo oyo. Si tu comprends que Israël est né au mois où l'agneau fut sacrifié, Zamba et Misaki Moïse n'exode 5. Le Seigneur avait dit à Moïse dans Exode 5. Dans verset 3 à 4. Au verset 3 et 4. Ayebi sa pharaon atika libotanae ekende esala 3 journées à marche. Et dire à Pharaon de laisser son peuple d'aller faire 3 journées de marche dans le désert. Donc, marche mobimba ya désert. Donc toute la marche dans le désert. Ça va bien en 3 jours. Le Seigneur ne l'a appelé que 3 jours dans son langage. Ataba sala 40 ans. Même s'ils avaient fait 40 ans. Or, sans un nombre 14, verset 34. Alors, si vous prenez nombre 14, le verset 34. Zamba benga kapé mokolo moko lokola ané moko. Le Seigneur appelle aussi un jour comme une année. Donc, tant que l'Ibotawana a botami a tamboli na désert pendant 40 ans, n'est-ce qu'il y a eu un temps à 3 jours. Donc, quand ce peuple a marché 40 ans dans le désert, comme nous le disons, mais qui sont 3 jours seulement, l'Éternel a sa berger na yé. Yahweh, mon bâté, il pâté. Bango baza, mon bâté. Donc, il est comme des brebis. Cela veut dire, ti, si il marche pendant 40 ans, bakomi bibouele à 3 ans. Donc cela veut dire à la fin de leur marche des 40 ans qui sont en réalité 3 jours selon Dieu, ils ont maintenant 3 ans. Toujours quand on va là, moi. Amen. Pour voyage à désert, nous avons comparé à 3 jours. Parce que le voyage du désert, le Seigneur l'a comparé à 3 jours. Par rapport à Exode 15, 5. Par rapport à Exode 5. Verset 3 à 4. Le verset 3 et 4. Maintenant, tant que comment qui est dans le territoire de Galade avant de traverser le Jourdain. Maintenant, en arrivant dans le territoire de Galade avant de traverser le Jourdain. Et nous sommes Israël, c'est bien là qu'il y a un petit calanangamba Jourdain. Une autre partie du peuple avait préféré de rester du côté avant la traversée du Jourdain. On entend un nombre 32. Là, vous lirez nombre 32. Mais l'ibota moussous et fani nangamba moussous. Mais une partie du peuple a demeuré de l'autre côté du Jourdain. Or, Ezali, brebis en Zambé et Noëlé en Zambé. Oh, c'est la brebis de Dieu ou le troupeau. Oh, Ezali, 3 jours, bien 3 ans. Mais qui a fait 3 jours? Mais maintenant, Ezali, monsieur Efani, avant Jourdain. Mais une autre partie a demeuré avant Jourdain. Ezali, monsieur qui après Jourdain. Et l'autre est allé après Jourdain. Yamonde, Abraham, Akataki, Niyama, en dégâts parti. C'est ça le signe d'Abraham qui a divisé les animaux en deux. Mais à tel émission, ils ont talent à nous.
Mais il les a situés une partie vis-à-vis de l'autre. C'était la manière dont une partie du peuple d'Israël était avant Jourdain et l'autre avait traversé. Maintenant, le message il y a Abraham dans Genèse 15. Maintenant, dans le message d'Abraham. Oiseau de proie, bandeko elia kamisuni eyaki kokoela misuniwana. Les oiseaux de proie étaient venus s'abattre sur la chair des animaux. Ma oiseau de proie wana ezalaki ma puissante nation. Et ces oiseaux de proie représentaient les puissantes nations de la terre. Mais ça l'on la Babylone. C'est comme Babylone. Par Syrie. Par Syrie. Par Égypte. Égypte. Par Médo-Perse. Médo-Perse. Par Rome. Toutes ces puissances-là représentent les oiseaux de proie. Il y a un Jérémie 12 à Zoloba. Et c'est ce que nous dit Jérémie 12. Mais ceux qui baillent au Kandabanyamawana, Oezali, Banyama Abraham, mais s'ils viennent s'abattre ou dévorer les brebis qui sont d'Abraham, on a un message à Abraham, Abraham a bengana qui oiseau de proie. Nous voyons dans cette écriture, Abraham chassa ces oiseaux de proie. Et Kolobani, qu'est-ce que c'est la bête? Tamounios au Israël, Bakukangaye, Nabanguna Naye. À tout moment où Israël sera captif de par ses ennemis, et vous allez Abraham les chassa. C'est seulement Abraham qui les chasse. Donc Zamba qu'on se souvenir toujours d'alliance à Abraham. Donc le Seigneur ne se souviendra que de l'alliance faite avec Abraham. Pour les délivrer de cette captivité. C'est pourquoi le mouvement d'Abraham les chassa. N'ayoka batu basali doctrine d'abango, Abraham a bengana ka bisoba. Église, c'est qu'il n'a pas tant à bisoter. Mais bien sûr, vous êtes à ma bé. Au cousin à Lola. Tu vas manquer le ciel. Et ça, la somme, vous êtes à ma bé, paix à la courage. Tu prêches mal, mais très courageux, Dieu de la chair. Et ça, la somme. C'est terrible, c'est grave. Parce que ça, quand on a Alina, parce que tu es en train de jouer avec ton propre salut. Mais maintenant il faut y babouer. Maintenant tu dois savoir ça. Ba monaka ba nation comme ba oiseau de proie n'a pas si son verset 9 vient. Les seigneurs voient le nation comme les oiseaux de proie comme au verset 9. Israël peut son même ici parole. Et Israël aussi s'il profane. A kokani si ba na oiseau na de proie. Les seigneurs les rend semblables aux oiseaux de proie. Ya moto zo mona a. C'est ce que nous voyons. Mon héritage a été pour moi un oiseau de proie. Aussi les oiseaux de proie viendront tous de tous côtés contre lui. Amen. Docteur Israël voit qui parole. Lorsque Israël rejette la parole, Zamba identifie comme aussi oiseau de proie. Les seigneurs l'identifient aussi aux oiseaux de proie. C'est ce que nous montrons. Israël a crucifié la parole. Lorsque Israël a crucifié la parole, Azamé Mobomi. La nation aussi tant que bazo crucifier le fils de Dieu. Les nations aussi en crucifiant le fils de Dieu. Bazo va meurtrier. Ils sont aussi de meurtriers. Bazo ça le même rôle. Ils font le même rôle. Israël a crucifié le fils de l'homme. Israël a crucifié le fils de l'homme. Des nations qui ont rejeté la parole ont crucifié le fils de Dieu. Et les nations aussi qui rejettent la parole crucifient le fils de Dieu. Ba nation là, on tanga ba catholique. Les nations là, l'église des réveillés. L'église ya ba Sepeka. Sepeka. Nous on crucifié la parole. 32e communauté. Ba mona des choses on comprend. Toutes ces personnes là. Ba zombe c'est enseignement. Ils méprisent l'enseignement. Ils mais Yangonde Tolobaki dans Genèse 4. Hein? C'est pourquoi nous avions dit dans Genèse 4 que Tambou, Caïn et Abel, Bakutani na Babilanga. Donc Caïn et Abel s'étaient croisés dans le champ au pluriel. Batie Bachan a pluriel, Batie Chan mon côté. Donc ce n'est pas un seul champ, plusieurs champs. Oh Caïn et Abel, Bazalaki ne Langa. Oh Caïn et Abel étaient dans un seul champ. Non. Ezalakana Babilanga. Donc dans les champs au plus.
Genèse 4, verset 8. Yo, il faut le baga magamaza mena précision. Voilà, pas ça, la gamoua film, mon gros. Non, on fait un film là. On montre Caïn et Abel dans un seul champ. Voilà la film. Là, dans le film. Batali si, Caïn a tout bien Abel. On montre Caïn poignarder son frère Abel. Et puis ça, on t'a sali film, on sali ma bé. Dis au réalisateur, tu as mal conçu ton film. Tanga, les sous Bible bien. Il faut encore bien lire la Bible. Genèse 4, 8 et le Bible. Genèse 4, 8 dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Caïn a dit ce qui m'a demandé qu'on ait Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, le coup la basala qui va cogner son akatia babilanga. Maintenant, filme ça là, vous voyez, cocaté. Le film n'est pas. Donc, c'est. Il a guisé. Donc il y a plusieurs champs. Donc, il y a plusieurs champs où se trouvent Caïn et Abel au même moment. Maintenant ça l'a fait maintenant. Maintenant qu'on soit le film. Dans des champs. Pourquoi les choses sont ainsi? Et l'ingotalisa, c'est la montre. Bachan, ezaba, ba livre nous tous en bas prophète. Les champs représentent tous ces livres des prophètes. Donc, des livres à Genèse. Donc, si tu ouvres par exemple les livres de Genèse, tu vas voir Caïn son frère Abel. Botali Nexode. Tu regardes Exode. Caïn Abel. Caïn Abel. Botali Lévitique. Lévitique. Caïn Abel. Caïn Abel. Botali Deutéronome. Deutéronome. Caïn Abel. Caïn Abel. Aucun à Josué. Vous allez dans Josué. Caïn Abel. Caïn Abel. Aucun à Samuel. Dans Samuel. Caïn Abel. Caïn Abel. Aucun à roi. Tu te rends dans les livres de roi. Caïn Abel. Caïn Abel. Aucun à chronique. Chronique. Caïn Abel. Caïn Abel à l'intérieur. Aucun à Esdras. Esdras. Caïn Abel. Caïn Abel. Aucun à Job. Dans Job. Caïn Abel. Caïn Abel. Aucun à Psaume. Dans Psaume. Caïn Abel. Aucun Esaïe. Dans Esaïe. Caïn Abel. Na cantique. Dans les cantiques. Caïn Abel. Aucun à Jérémie. Dans Jérémie. Caïn Abel. Caïn Abel. Dans des champs. Na babilanga. Ben na kata bashawa na komona. Caïn a zoboma Abel. Et tu vas voir Caïn en train de tuer Abel son frère. Jésus-Christ a l'obagé. C'est pourquoi Jésus avait dit. L'écriture n'y a pas, ça parle de toutes moi. Toutes ces écritures rendent témoignage de moi. Donc, l'olé n'y a pas beaucoup à la croix. La manière dont il mourra la croix. N'a pas livre n'y a pas, c'est l'Obama. Tous les livres des prophètes, cela a été déjà dit. Et l'Obama n'a pas livre n'y a pas. Cela a été déjà dit dans le livre. Il y a pas prophète. Les prophètes. Osorana malam. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut y baboïke. Il faut savoir ceci. Na chambre, dans ma chambre, y'en sera. Dans tous ces champs. Prémices, c'est ça déjà présenté. Les prémices sont déjà présentes. C'est qu'un dimissi reste à champ. Cela veut dire que le reste du champ est à créer. Dans tous les prophètes. Symboliquement. Bazar créé. Donc, ils sont à créer de Dieu. Maintenant, l'esprit est à maître, dans Israël. L'esprit du meurtre qui animait Israël. Et ça, le même esprit, ça n'a pas oiseau de proie. C'est le même esprit qui est aussi dans d'autres oiseaux de proie. Et Dieu, n'a élobéli, n'a azomona, jugement y'a ma camponion, soana, l'icolo y'a ma oiseau de proie. Nation de la terre. Il voit le jugement de tout cela sur les oiseaux de proie qui sont des nations de la terre. Parce que par rapport à Israël, tu as un meurtre. Parce que lorsque Israël a commis le meurtre, Dieu a brûlé la ville. Zambé a tomba qui est Koumba. Amen. Les jugements tomba qui est collé à Israël. Les jugements étaient tombés sur Israël. Le Seigneur ne va plus lui imputer en ces temps-là.
akosale na ye grâce pour écouter ma parole. Le Seigneur lui fera grâce de croire à la parole. Mais azo tanga abomination nion sur sur la terre. Le Seigneur mentionne toutes les abominations de la terre. L'icolo y a oiseau de proie, Babylone la grande. Dans où il impute toutes ces abominations à Babylone la grande, l'oiseau de proie. Apocalypse 18, pour que nous aussi s'allons. Apocalypse 18, pour aller atterrir aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous continuerons toujours mardi. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer le mardi prochain. Donc, le jour où bateau bazana volonté à koya. Le jour où viendront ceux-là qui ont la volonté de venir. Apocalypse 18. Amen. Le verset 24. Bible le dit. N'abandonne même le verset 20. Amen. Ciel réjouis-toi sur elle. À ça. Makolo sepela likolo mwasio. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi. Car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Donc, lorsque le Seigneur juge Babylone, il faut les prophètes basepela. Il faut que les prophètes se réjouissent. Donc, donc ceux-là que nous voyons dans le premier champ, des apôtres aussi, Thomas, Bassin, et Santo, pour l'année. Pourquoi? Zambazo jugé Babylone. Le Seigneur. Dans verset 24. Verset 24. Et parce qu'on a trouvé chez elle, pour être ma kutikati à moi siwa, les sangs des prophètes, makila ya basakoli, et des saints. Et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Donc, Batangi esprit à meurtre Nicolo et à Babylone. Donc, on a cité l'esprit du meurtre où on l'a vu sur Babylone la grande. Oyonion se sont classés pour faciliter Bissot, cinquième saut. Nous classons tout ceci pour nous faciliter le cinquième saut. La cinquième saut. Bazo tourne jusqu'à quand on peut tirer vengeance. Donc, bazo remet jugement. Donc, au cinquième son, on pose la question qui nous tamponi n'y a coupé, c'est tout mon amabé, bazo la biso, bazo l'obé la esam biselo. Bazo la namala. Amen. Mais maintenant, esam biso le kokoué ya likolo na ba oyo nyon so basa li mabé sur toute la terre, ba oyo ba ikorjake. Maintenant, le jugement va s'abattre sur ceux-là qui avaient commis des abominations ou le meurtre sur toute la terre. Pour la maison d'Israël, on a dit bon, le Seigneur a dit que ceux qui ont sali ma paix n'a pas taillé la verge. Le Seigneur avait dit pour Israël que s'il fait le mal, je lui frapperai par la verge. Mais il faut y aller tous autant la par la grâce de Dieu. Il faut savoir comment est-ce que nous marchons. Et nous avons aussi besoin que tout à l'heure, nous avons besoin de nous. Ce qui est à saisir et que nous avons vu dans tous les champs. Il y a Caïn et Abel. Ezali na Caïn a à peine ne connaît. Il y a Caïn et Abel. Caïn na Abel. Et Caïn, c'est Israël qui tue son frère. Caïn a né Israël et oiseau pour ne connaît. Donc il y a Caïn qui tue le fils de l'homme. Ezali na Caïn oiseau pour maman moi na moto. Il y a aussi Caïn qui tue le fils de Dieu. Ezali peine Caïn oiseau pour maman moi na nzambe. Donc il y a Caïn et Caïn. Il y a Caïn comme Israël. Caïn a l'opposé à l'époque d'Israël. Oiseau de proie aussi. Il y a Caïn comme Babylone la grande. Oiseau de proie aussi. Selon Jérémie 12, verset 9. Jérémie 12, verset 9. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, il y a Esaou et Esaou dans la Bible. Esaou et Esaou dans ma Esaou et Esaou dans Israël. Et Esaou qui représente Israël, que le Seigneur va récupérer dans la suite. Esaou atalisaka aussi comme elembo ya Nzambe. Esaou représente aussi les signes de Dieu lui-même. Jacob a fou comme elle a eu cette fois. Jacob s'était prosterné devant lui cette fois. Esaou atalisaka aussi le col à Babylone la grande.
Esaü représente aussi Babylone la grande. Na livre Abdias. Dans le livre du prophète Abdias. Même dans Esaïe 63. Et même dans Esaïe 63. À partir du verset premier. À partir du verset premier. Otra wa netanisaka Esaü. Otra représente Esaü. Nzamba kwa kujije wana. Le Seigneur là qui viendra. Komba wa azolo baona na prophétie. Les combats que le Seigneur dit dans la prophétie. Yamoneza l'Apocalypse 19. Et c'est ce qui se retrouve dans l'Apocalypse 19. L'Olege Zamba kobeta la bête et le tiroir de la terre. Comment est-ce que le Seigneur va frapper la bête et le tiroir? Mais ça, Esaïe 63, Bazolo Belamon Zamba Zombeta et Don. Mais le Seigneur en parle dans Esaïe 63 comme la frappe sur Edom. Edom est-elle, sera toujours Esaü. Edom, c'est Esaü dans la Bible. Donc il faut y avoir et l'obélia Bible n'est ni à Mouzalaka. Donc tu dois saisir les langages de la Bible. Moutakoza la manque, mais à l'obami na l'olengi ni balé tout misat. La personne peut être une seule, mais qui est vue dans plusieurs couleurs ou plusieurs. Tozoa kinda kisa. Nous avions pris un exemple. Balobi sept têtes. Mitu sambo. Sont sept montagnes. Sur laquelle la femme est assise. Interprétation ce qu'il y a en tête. L'interprétation ne s'est pas arrêtée. C'est aussi. Sept rois. Donc, et l'on commence. Donc, une même chose. Mais il est l'obélimi balé. Mais qui a pris deux langages? Qui brise la rapide bongo. La Bible est ainsi. Que la grâce du Seigneur que ça dit corona moko na moko. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Nzambe ya bomba yo asale na yo bola. Que le Seigneur te garde du passe mignon. Kubanga kate koluba ke Kayen c'est Israël. N'ayez pas peur de confesser que Kayen c'est Israël. Bato ba souffre kana ngo esa po ba sosa na ekibi si C A I N. Les gens souffrent beaucoup parce qu'ils étudient C A I N Kayen. Mais yo suis grâce. Mais toi tu as reçu la grâce. Y'a qu'on comprendre que. Et comprendre. Quand le roi s'est fait. Lorsque le roi a fait la fête. Bah, oh, bah, boy, qui koya, ceux-là qui ont refusé. Dans Matthieu 22. Dans Matthieu 22. Roi Benga Bambo les meurtriers. Koumoua Benga Bambo Papomi. Dans 22 verset 7. 22 verset 7. Matthieu. Que vraiment la grâce du Seigneur soit sur vous. Vraiment que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que le Seigneur te fasse beaucoup de bien. Afongo le layo banzera na ye. Que le Seigneur t'ouvre ses sentiers. Dieu grâce, merci parce que vous allez en bien en bolo. Merci Dieu de grâce parce que tu es le Dieu de grâce. Vous allez en bien en bolingo. Tu es le Dieu d'amour. Kombo na yo isa nikolo na nyos. Ton nom est au-dessus de tout. Zala kimia pona moko na moko Seigneur. Sois la paix pour tout un chacun mon Dieu. Droite na yo zambe kamba bomo ya moko na moko. Et ta droite conduise la vie de tout un chacun. Piège nyos ya molini. Tous les pièges des ténèbres. Oye tene mi frère, soeur. Qui s'élève contre mon frère ou ma soeur. Na kwesi ya mona kombo na Yesu Christ. Je les renverse au nom de Jésus Christ. Maladie na bengani ya mona kombo na Yesu Christ. Je chasse la maladie au nom de Jésus. Je demande que ta paix prenne la place. Na kombona Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Donc, bien sûr, merci, na mokamboka bibiso Seigneur. Nous te rendons grâce dans tout le monde. Na kati na moko na moko. Que ta paix soit dans tout tes chakras. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Na kola zambe tokolukondo. Que Dieu fait Jean Bolao et Tikali sur cette scène. Les mardis par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous allons répondre à l'autre question sur la Sainte Seine du frère Jean Boulard.